l'exploitation, c'était une exploitation familiale. On s'est installé en 82 avec mes parents. En 95, ils ont pris la retraite. On est resté que tous les deux avec Claudine sur l'exploitation. Alors mon travail principal, moi, c'est les cultures, plus le soin des animaux, enfin plus que l'alimentation. Et la comptabilité, et le soin des animaux, c'est plus Claudine qui gère le troupeau. Alors moi, je suis en charge du troupeau, du suivi de l'élevage, c'est-à-dire les vélages, les tarissements, les génisses, tout ce qui est sanitaire, c'est moi qui fais le suivi complet du troupeau. Alors je suis en semis simplifié depuis 1998. Je fais des couverts végétaux pour améliorer les sols. Je sème directement mes maïs avec un coup de déchaumeur et rotatif semoir pour semer les maïs. Je mets trois variétés dans mon semoir. Je mets des variétés de type 280 à 290 en indice, hein, précocité. Depuis 20 ans, le maïs est incontournable hein, par rapport à la ration. Ça nous a permis d'évoluer de 9000 à 11000 litres aujourd'hui. Et ça reste le pilier de cette production que l'on a au niveau des vaches laitières. Le dernier investissement, il a été fait en 2015 avec l'alimentation automatisée du Vector, qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui nourrit les vaches avec 6 rations différentes. Et ça permet d'avoir une valorisation des rations par type d'animaux. Voilà, et au niveau de la vie, du travail de tous les jours, nous on travaille en sorte d'avoir du temps libre, d'avoir une vie familiale et puis de temps en temps on parle ensemble de notre travail, on échange pour que ça se passe au mieux possible. On a toujours été positif par rapport à notre travail. Et puis, ça a permis aux enfants aussi de se poser des bonnes questions et de venir par la suite nous succéder, notre gendre et ma fille. Et puis, voilà, on leur souhaite à leur tour de réussir autant que nous. We'll be right back.